pour les éliminer. Alors ces jeunes-là, il faut leur donner tout ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire que l'espoir dans la vie, l'espoir dans le futur, l'espoir dans la générosité, dans l'amour de la collectivité, pour que ce système pourri de capitalisme, de calisme, là, il meure sur la planète. De socialiser le partage de la richesse, le partage de la misère, le partage de nos bonheurs comme de nos malheurs, mais qu'on soit tous solidaires. S'il faut manger de la merde, on la mangera tous ensemble. Et il n'y a personne à côté de moi qui va mourir de faim. Que ce soit un homme ou une femme, soyons solidaires. Et cette lutte-là, la lutte qu'il faut mener actuellement, c'est pas juste aujourd'hui, c'est pas juste la lutte des jeunes, mais l'exemple que vous nous donnez, les jeunes, je trouve ça formidable. Moi, j'arrive pas à croire ce que je vois actuellement. L'énergie qu'il faut apporter, mais pour trouver des moyens, les indignés. Moi, je suis indigné du chômage parce que je vois toutes les écoles saloperies dans les années 40, dans les années 30, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. On a fait que de la pourriture pour le capitalisme. 2007-2008, le gros crash qui ressemble à plus terrible que 1929. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Des banques, des caisses, tout ça. On a perdu 50 milliards d'un pot de laine de nos Québécois. Une grève, ça alors, une guerre. Hey, on s'est fait voler 50 milliards d'une chope. Puis on se ferme la gueule, on dit rien. Mais faut réagir! Faut pousser le plus loin possible. Faut se mettre en colère. La colère, c'est la cerne de la vie. Le printemps, là, il fait juste beau. Il fait beau. C'est bon rien. Ce qui se passe actuellement avec les jeunes, c'est un dégel le jour, ça gèle la nuit pour pouvoir avoir de la cire. En soir, je pense que je m'en vais dans une cabane à sucre. Et moi, je me gèle. Mais j'ai dit, fuck la cabane à sucre. On va aller où tout le monde avant. Alors, j'ai pas besoin de micro, moi j'ai une bonne voix parce que je suis encore lisse. Moi, je suis le système depuis que je suis au monde. Mais d'une façon, je suis heureux. Je vais partager les gens, j'ai pas d'âge, moi. Mais je ne vais pas en avoir non plus, j'en aurai jamais de calice d'or, mais je vais rester comme un enfant qui est pur, qui est engagé, qui est volontaire, qui ne peut pas dire, bon, si je fais ça, je vais perdre ça. Mais je perdrai tout, mais je ne perdrai pas la tête, et surtout pas mon idéal. L'idéal qu'il faut avoir, c'est l'amour de la vie, l'amour du partage, l'amour de son prochain aussi, dans le bon sens, pas des têteux, là. Puis j'ai à son enfant, mais fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Fais ce que tu peux faire, l'enfant. Puis si le parent est pas capable d'être à ton échelle, danse-le. Puis va-t'en où est-ce qu'il y a, tu peux trouver la vie. Les expériences, ça s'acquiert, ça, avec beaucoup de force, ça. Mais ces expériences-là, il faut les vivre. Moi, j'étais jeune, j'ai fait 110 000 milles en autostop. J'ai pas demandé à ma mère et mon père que si je devais partir en voyage, c'est ça que mon cœur. Quand il arrivait, ben, il me prenait comme j'étais. Mais pas développer l'indépendance de nos actions, surtout avoir la lucidité de faire les choses qui valent la peine d'être faites pour le présent, mais surtout pour le futur. Ouais. Bon, là, ben, on va avec nos petites chansons, là.